Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me tient très à cœur, c'est nos enfants. Bonjour à tous. Alors, nos enfants. Quand nous avons décidé d'avoir des enfants, c'est par amour. Par amour pour notre couple ou pour notre conjoint, mais pour laisser sur terre une part de nous, quelque part. Notre but en tant que parents est de faire en sorte que tout aille pour le mieux dans leur vie. Pour leur montrer les choses que nous estimons être bonnes, pour les leur donner le tout avec le plus d'amour possible. Dans la société actuelle, malheureusement, le mot amour a disparu pour beaucoup d'entre nous. Le mot amour a disparu. Il n'y a plus que l'appât du gain. Au détriment de nos enfants. Et même si on se vante de dire « mais moi j'aime mon enfant, mais moi je fais tout ce qu'il faut pour mon enfant », posez-vous la question, est-ce bien le cas? Faites-vous vraiment tout ce qu'il faut pour votre enfant? Premièrement, est-ce que vous écoutez votre enfant quand il vous parle? Quand il vous dit « moi j'ai pas envie de ça » ou « moi j'aimerais bien ça » ou « j'ai pas envie de faire ça ». Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous discutez avec lui pour savoir exactement pourquoi il veut le faire, pourquoi il ne veut pas le faire, qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qu'il aime? Est-ce que vous le faites? Très peu le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps car notre société fait qu'il faut qu'on aille de plus en plus vite, de plus en plus loin. Que petit à petit, tout ce qui fait la cellule familiale part en éclats. Voilà ce que l'on veut aujourd'hui. Mais si on a mis des êtres au monde avec une âme et un cœur, c'est pour les aimer. C'est pas pour les laisser aux soins de la société. Parce que ce ne sont pas les enfants de la société, ce sont vos enfants. Même si par la suite ils deviennent indépendants et ils font ce qu'ils veulent, pardon, excusez-moi. À la base, quand ils sont jeunes, c'est à nous de leur montrer le choix à faire ou la voie à suivre. Mais pour cela, et le plus important, c'est de les écouter. Alors oui, nous devons de leur apprendre des bases, que ce soit au niveau de la compréhension de la vie, que ce soit au niveau de la scolarité, apprendre à lire, à écrire, à compter, ce sont les bases, voilà. Après,
C'est à l'enfant de choisir. Qu'est-ce qui lui plaît le plus? Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Dans quoi il veut se lancer? Et ne jamais le remettre en question ce que l'enfant lui décide. Il change d'avis, il change d'avis. Est-ce que vous-même, vous ne changez pas d'avis? Donc pourquoi est-ce que vous changez d'avis et que lui n'aurait pas le droit de changer d'avis? Alors il dit, ouais, mais il est trop jeune, donc il ne sait pas encore ce qu'il veut. Et vous savez ce que vous voulez? Jamais vous dites rouge un jour et bleu le lendemain? Parce qu'entre-temps, vous avez réfléchi, que vous vous êtes dit, ah, mais peut-être que le bleu, ça irait mieux, ou que le rouge. Enfin, rien à voir, je suis en train de penser à Matrix, rien à voir avec, hein, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, c'est à vous d'être là. Vous n'êtes pas là pour les commander, vous n'êtes pas là pour prendre des décisions à leur place, vous êtes là pour les soutenir et les faire avancer. Car ce sont des êtres indépendants, même si ce sont vos enfants. Ce sont des êtres indépendants. Ils ont leur propre volonté, ils ont leur propre savoir. Et ce que je reproche à l'enseignement actuel, c'est que ils ne tiennent pas compte de tout ça. Ils ne tiennent pas compte de la sensibilité des enfants. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils aiment ou pas. Ils ne tiennent pas compte de la vie de l'enfant. Ils ne tiennent compte de tout, de rien de tout ça. Et pourtant, c'est ce qui fait la personnalité de l'enfant. Vous avez des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, donc qui auraient besoin d'un peu plus d'attention et qui auraient besoin d'un peu plus d'écoute et de partage entre les adultes. Chose qui ne se fait pas. Or, ce n'est qu'un enfant. Il comprendra. Ou il comprendra plus tard. C'est pas grave, non? Si, c'est grave. Parce que c'est tout petit déjà que l'enfant forge son futur. Ce que l'enfant forge son côté adulte plus tard. Donc, si les bases, si les fondements ne sont pas bons, l'enfant risque par la suite d'aller dans un chemin qui ne lui convient pas, juste parce que soit il veut faire plaisir à ses parents, soit parce qu'il veut que ses parents soient fiers de lui, alors qu'à la base, un parent aimant, quel que soit le choix de l'enfant, un parent aimant ne le jugera pas, ne le critiquera pas, mais le soutiendra dans tout ce qu'il veut faire plus tard, dans n'importe quoi. Souvent, les parents projettent sur leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient jeunes. Oh, il y en a qui voulaient devenir chanteurs, donc qui poussent les enfants vers la chanson. Il y en a qui voulaient devenir danseurs classiques, donc qui poussent les enfants dans cette voie. Il y en a qui voulaient faire de la musique, du piano, qui n'ont jamais réussi, mais ça marche aussi avec le sport, le cinéma et tout ce que vous voulez. Voilà. Non, il faut laisser votre enfant faire son choix. Si votre enfant a envie de s'occuper d'animaux, lui, il faut le soutenir. Si votre enfant a envie d'aller vers la nature, il faut le soutenir et non pas le critiquer. L'école aujourd'hui, alors il y en a qui ont déjà ouvert les yeux sur cette problématique, j'ai envie de dire, mais qui n'osent pas encore. Ah, il manque encore, il manque encore, il manque encore de la volonté et peut-être de l'amour aussi. L'école aujourd'hui, elle veut absolument que vos enfants rentrent dans les cases d'enseignement scolaire. C'est-à-dire que il faut que tu ailles de l'avant. Tu poses pas de questions, tu écoutes ce qu'on te dit, tu apprends et basta, terminé. C'est comme ça. Voilà. Sauf que même à l'école, bah, désolé de vous le dire, mais il y a des moutons rebelles, il y a des brebis rebelles. Non, pas, elles ne sont pas d'accord avec l'école. Elles ne sont pas d'accord avec la façon d'enseigner. Elles ne sont pas d'accord avec la façon d'apprendre. Elles ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur dit. Ça ne rentre pas dans leur psyché. Ça ne rentre pas dans leur case à eux, aux enfants. Les enfants ont leur propre savoir et l'école n'est plus en corrélation avec le savoir des enfants. De ce fait, beaucoup lâchent, abandonnent
s'en vont ailleurs. La plupart du temps, ils écoutent pendant un quart d'heure et puis après, l'esprit est ailleurs. Il n'y a pas moyen de les faire revenir. Ils sont partis. Ça ne les intéresse pas. Ils sont partis. Voilà. Et donc, ces enfants-là sont après catalogués comme étant des enfants hors normes. Ils ont un problème. Il faut les faire suivre par le CMP. Il faut les faire suivre par un psy. Il faut les faire suivre par un orthophoniste et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Parce que votre enfant ne rentre pas dans les cases de l'enseignement scolaire et qu'il faut absolument qu'il rentre dans les cases parce qu'ils ont besoin du plus grand nombre possible d'enfants qui font des réussites au niveau scolaire. D'où le fait qu'ils n'ont plus le droit de redoubler. Ben non. Le seul moment où ils ont le droit de redoubler, enfin aux dernières nouvelles, pour que j'en sache, c'est en CM2. Ouais. Sauf que si l'enfant a attrapé 4 ans trop tard en arrière, une seule année, je ne suis pas sûre que ça va réussir à rattraper tous les 4 ans de retard qu'il a pris. Ouais. Bon, en même temps, il n'aura pas perdu grand-chose parce que quand je vois un grand nombre d'enfants qui sont soit en CE2, soit en CM1, etc., qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils lisent, qu'ils ne sont pas capables de lire du tout, qu'ils ne font pas les associations, qu'ils ne savent pas lire les mots, qu'ils ne comprennent pas les sons, qu'ils sont incapables de conjuguer un verbe tout simple. Les auxiliaires, ils ne les connaissent pas. Un enfant arrive en sixième, il ne sait pas lire. C'est reconnu. Allez voir sur Internet, c'est reconnu. Un enfant arrive en sixième, il ne sait pas lire. Il sait très mal écrire. C'est blindé de fautes à chaque phrase. Et pour ce qui est du fait de compter, heureusement qu'ils ont la calculatrice parce qu'il y a des doutes quand même. Hein. D'où le fait qu'ils acceptent les calculatrices maintenant, même en cours préparatoire. Donc, non seulement ils les acceptent, mais ils les recommandent. Donc, si l'enfant il a une calculatrice pour calculer, où est l'apprentissage du calcul là-dedans? Où est l'apprentissage du calcul? Il n'y a plus besoin de savoir les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Il n'y a plus besoin. La calculette fait tout pour eux. Alors forcément, ils ont des résultats justes, c'est normal. Donc ils ont des très bien. Hein. C'est ce qui est logique. Donc plus ils ont d'enfants qui réussissent, et plus c'est bien parce qu'en fait ils réussissent. Ils surélèvent les notes aussi. Ouais. Parce que comme il faut absolument que votre enfant il rentre dans les cases, donc pour un devoir qui aurait valu un 5, ils vont lui mettre un 10 ou un 12. Bah ouais, parce que comme ça, il est dans la moyenne, c'est bon, il peut passer. Avant, je me tenais à ce que, vous savez, le relevé de notes des enfants, aux appréciations des maîtresses, enfin des enseignants, on va dire, aux appréciations des enseignants et de la directrice. Ben depuis le confinement, je ne m'y tiens plus du tout. Non. Parce que je me suis rendu compte, et beaucoup d'autres parents aussi, que, en fait, ce n'était n'importe quoi. C'était juste pour dire aux enfants, mais oui, aux parents, mais oui, mais l'école, c'est bien, regardez, votre enfant fait des progrès. Ouais. Sauf que pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est les parents qui ont pris la relève sur l'école. Les parents ont pris la relève sur l'école. Et là, ils ont vu le désastre. Et le mot n'est pas trop fort. Le désastre. Un enfant de CE2, qui est quand même déjà censé être capable de reconnaître les sons, de reconnaître les voyelles, de reconnaître les consonnes, de savoir lire des petits textes, de savoir compter. Ben non. L'étape de multiplication, pas du tout. Le fait de savoir écrire, absolument pas. Le fait de faire des fautes, ben ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter, arriver en CE2. Et ils ne peuvent pas redoubler non plus.
Je ne sais pas ce que ça va donner après le confinement, j'en sais rien. Mais je vis au jour le jour. Et ce que j'apprends au jour le jour, c'est que les enfants qui ont des difficultés à l'école parce qu'ils n'arrivent pas pour une raison ou une autre à rentrer dans le programme sont catalogués d'enfants à problème tout de suite, systématiquement. Voilà. Alors que l'enfant n'a pas de problème du tout, il n'est juste pas au rythme et il est juste sur une autre façon de voir les choses. Des choses que nous, les adultes, ne sommes plus capables de voir, que nous ne sommes plus en état de comprendre, mais que eux, les enfants, les ont. Ils ont gardé. Ils ont gardé l'essentiel en eux. Et c'est ça qu'ils voudraient voir se voir développer à l'école. Mais ce n'est pas ça ce qui se passe. Plus maintenant. Alors, à tous les parents, soyez vigilants sur ce qui se passe avec vos enfants actuellement. Si vous les... Enfin, actuellement, avant, après, maintenant, peu importe. Soyez vigilants avec ce qui se passe avec vos enfants. Regardez bien. Regardez bien. Prenez du temps pour eux, c'est important. Prenez du temps pour les écouter. Prenez du temps pour discuter avec eux. Prenez du temps pour être présent avec eux. Confinement ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ont plus que jamais besoin d'être soutenus par leurs parents. Les parents qui se disent aimants, ils ont besoin d'être soutenus par leurs parents. C'est maintenant, quand ils sont petits, qu'il faut les soutenir, leur montrer que vous avez confiance en eux, leur montrer, oups, pardon, coup de vent, leur dire qu'ils sont intelligents et que ce n'est pas parce qu'ils ont des difficultés à l'école qu'ils sont complètement idiots, qu'ils sont stupides. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'ils voient les choses d'une autre façon et c'est à nous de comprendre comment ils voient les choses de façon à pouvoir les entourer, les soutenir, les protéger. C'est notre rôle à nous pour notre génération future. Est-ce que vous voulez que vos enfants restent dans ce monde ? Vivent dans ce monde, restent en esclavage ou soient en esclavage comme nous l'avons été et nos anciens et nos anciens encore. C'est ça que vous voulez pour vos enfants plus tard? Tout ça parce qu'avant on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris. Il fallait faire comme ça et ne pas bouger. Sauf que si nous changeons notre façon de penser... Bonjour à toi ma belle. Donc si nous changeons notre façon de penser, si nous changeons notre façon d'agir vis-à-vis de nos enfants, ça peut changer toute la donne. Les vaccins, l'école, devenir, comment dirais-je, faire de la désobéissance citoyenne et prouver à vos enfants que vous vous battez pour eux. Parce que dans quelques années, ils vont vous dire quoi? Papa, maman, vous faisiez quoi quand nous, on était en danger? Vous avez fait quoi pour nous? Vous avez fait quoi pour nous sauver la vie? Vous avez fait quoi pour qu'on ait un monde meilleur pour nous? Vous avez fait quoi? Et après, vous dites que vous nous aimez? Mais à quoi ça rime l'amour pour vous? C'est quoi aimer pour vous? C'est vivre votre vie tous les jours, au quotidien, aller travailler sans faire attention à nous. C'est nous laisser dans notre coin avec nos problèmes. C'est de ne pas parler avec nous pour ne pas trop que cela vous engage à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Et vous êtes fiers de vous aujourd'hui? Vous êtes fiers de ce qu'on est devenu? Parce que ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est ou à cause... ou grâce, selon la façon que vous avez eu de soutenir ou pas vos enfants. Faites penser à ce que vont vous dire vos enfants plus tard.
pensez-y, si le moment, car tout se joue en ce moment. Et si vous aimez vraiment vos enfants, prouvez-le leur en les écoutant et en laissant parler votre cœur et non pas votre tête. Parlez votre cœur. Il y a du vent, désolé. Alors moi, je vous dis, pour finir, il est temps de choisir votre camp. Je vous souhaite un très bon dimanche après-midi. Je vous aime de tout mon cœur. À très vite.